Yop tout le monde, c'est 7, comment allez-vous? Moi je vais super bien aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo découverte du multijoueur de Call of Duty Black Ops 3. Enfin il est sorti ce putain de jeu, bordel. Depuis le temps que... J'avais été sûr que t'allais foutre la merde, c'était obligé. Depuis le temps qu'on l'attend ce putain de jeu, et surtout depuis le temps que je fais la mise à jour et tout ça, là que j'essaie de pouvoir vous proposer cette vidéo. Donc là on va choisir notre spécialiste, c'est tout nouveau. Je sais pas du tout lequel prendre, donc franchement, hop, on va prendre celui-là, il a l'air plutôt stylé, voilà. Et vous savez quoi, bah, on va lancer tout de suite. Voilà, on va trouver une partie standard en domination. Et il y en a assez. Au début, j'arrivais pas à me connecter au serveur. C'était plutôt chiant. Il y a des mecs qui sont déjà niveau 38. Je sais pas pourquoi, c'est des fous. Voilà, c'est des malades mentaux. Mais voilà, j'ai tout simplement enlevé le CD et je l'ai remis. Voilà, ça peut paraître très con. Mais voilà, ça a totalement marché. Des mecs sont niveau 38, ce sont des fadas. Il y en a plein qui se sentent con parce qu'ils peuvent pas jouer. Je sais pas pourquoi. Désolé pour vous, les gars. En tout cas, moi, ça marche très très bien. Type de nat ouvert, nickel chrome, et bah on va tester ça. C'est vraiment la découverte. Vous pouvez voir que je suis niveau 1, j'ai absolument absolument rien débloqué. Hein. C'est la grosse dèche sa race. Ah, d'accord. Voilà, donc on va jouer avec les classes prédéfinies à l'ancienne, super cool. Hop, on va peut-être mettre un gun quand même, minimum, parce que sinon. Hop, puis ça va lancer tranquillement, et on va pouvoir voir ce que ça donne. Ce que ça donne ce petit Call of Duty Black Ops 3. En tout cas, voilà, c'est censé sortir le 6 novembre. Je pense que les trois quarts des personnes l'ont eu, donc le 5, puisque voilà, il y avait la soirée, soi-disant, soirée exclusive de Fifou. Là, ça ressemble vachement à LoL. C'est vrai que j'ai eu pas mal de remarques de potes qui m'ont dit, quand on était à Paris Games Week, ça ressemble super beaucoup à LoL. En fait, là, vous avez vos spécialistes et tout. Ouais, c'est vrai que du coup... On va pas appeler ça du plagiat non plus, parce qu'ils affichent juste les personnages, mais bon, quand même, c'est vrai que... C'est vrai que ça ressemble pas mal. Donc, j'ai pas joué à Call of Duty depuis à peu près, bah, du coup, à la Paris Games Week, j'y ai joué, hein, mais rien à voir, parce que, bon, j'ai fait 2-3 games, bon, allez, on va dire 4 grâce au bracelet. Mais là voilà, va falloir s'y remettre, et on va dire qu'avec qu'avec la médecine, ça risque d'être compliqué, mais voilà, je me suis quand même consacré un petit peu pour pouvoir jouer ce soir, tout de même, c'est quand même la sortie du jeu. En tout cas, graphiquement, c'est plutôt sympathique. Je vous promets rien, je vous promets vraiment pas des gros scores, hein, parce que franchement, voilà, c'est le début, donc n'exagérons rien. Allez, premier kill, voilà, premier kill de Call of Duty Black Ops 3 pour des 7 à l'ancienne, si si la famille. Alors j'aime bien leur mécanisme qu'ils ont fait là, d'avoir une espèce de recharge en fait sur premier duel. Assistance, ok, super. L'espèce de recharge pour le... Putain, je sais pas comment on va appeler ça, hein. Je vais pas appeler ça le jetpack parce que ça fait pitié, mais... bah, je sais pas, en fait, comment on va appeler ça, l'exo, hein. On va l'appeler exo comme dans Advanced Warfare, tout simplement. Et voilà, franchement, j'aime bien cet esprit un peu de recharge. C'est vraiment bien fait, comme ça, on peut le gérer, entre guillemets. Et du coup on peut glisser, paf, là il est à moitié, hop, et ça fait vraiment des sauts fluides, je sais pas comment dire, c'est fluide, c'est pas des sauts de bourrin à 10 000 km comme dans Advanced Warfare, ils ont vraiment mieux géré ça je trouve, ça c'est vraiment bien fait. Après comme souvent, bah évidemment, un Call of Duty on est très content de l'avoir au début, puis après, après on regrette vite, enfin je sais pas si on regrette, mais voilà, on se lasse quoi, hein. Malheureusement c'est souvent ça. Après là c'est clair que... Je sais pas, il y a peut-être un truc... Ah oui, c'est super le petit campeur. Après c'est toujours le même problème, un peu la communauté. Enfin la communauté, hein, pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, mais... Un petit peu ça quoi. En tout cas je suis content de pouvoir jouer en ligne. Au début je me suis dit je vais devoir faire du mode zombie. Donc bon, j'adore le mode zombie, franchement je vais vous faire une vidéo dessus. Mais tout seul, voilà quoi, mode zombie tout seul, moyen. Grosse rouille. Et en tout cas, je pense qu'il y a surtout des kikou lol noobs de Call of qui ont réussi à avoir le jeu. Parce que pour l'instant, j'arrive à être premier avec la partie de merde que je fais. Donc, épervier, d'accord, sympa. Donc ça, c'est mon truc de spécialiste. C'est l'arc, en fait, que j'ai choisi comme bonus de spécialiste, hein, si j'ai bien compris. Tout simplement. Hop, copain. Je n'ai pas bien réussi à te défendre, mais je fais de mon mieux. Ah, ça c'est bien le fait de pouvoir marcher sur les murs et tout, j'espère que ça va pas être trop chiant dans des périodes de duel par exemple, où votre exo il va péter un câble, il va se mettre à monter sur le mur tout seul.
sais pas pourquoi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça se fait un peu pas aléatoirement, mais là j'ai pas vraiment choisi en fait de. Ok, super. J'ai été marqué. Bon, bah épervier, c'est parti, on va essayer ça tout de suite. Ah, ça. Ça en jette, franchement, ça en jette. C'est stylé d'avoir un arc dans Code. Qui l'eût cru, hein? Avoir un arc dans Code Duty. On aura tout vu vraiment. Allez, on va sécuriser C parce qu'on est quand même en domination, donc on va essayer un minimum de jouer l'objectif. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, du coup j'ai perdu mon arc, j'ai pas pu faire du tout kill. C'est sympa. On va essayer de gagner la partie, ce serait bien de gagner la première partie quand même. Ok, parce que si je le tuais pas là, c'était la pendaison pour moi. Alors pourquoi j'aurais peut-être pu acheter une manette Burn, certes, parce qu'elles étaient en plus en promotion à Paris Games Week. Je me suis dit, si on a BO3, mais en plus la manette Burn, comment dire que le boulot derrière hein. Donc on va acheter que BO3. La manette Burn, on verra plus tard si jamais on passe en P2. Hop, voilà. Ah super, nickel, on était en train de prendre A. Je suis très heureux. Bon alors rien d'exceptionnel dans ce gameplay, c'est vraiment une vidéo découverte, hein. Je découvre totalement le jeu, j'ai jamais fait la map, malgré mes nombreuses parties à la PGW, hop, et voilà, je découvre totalement la map, elle a l'air, ma foi, plutôt sympathique. Après ça revient un peu toujours à la même chose, hein. Les maps se ressemblent souvent dans les codes. D'un côté, il y a eu plus de. Peut-être plus de 10 Call of Duty on va dire, donc un peu compliqué à chaque fois de faire des nouveautés. Alors, je sais pas s'il y a une campagne solo. J'ai entendu dire comme quoi il n'y avait pas la campagne, en tout cas dans le. En tout cas dans le old gen. Ok, super, je fais de la merde. On va peut-être changer d'arme. On va essayer une autre, la Cuda. Il n'y avait pas la campagne dans le old gen. Il y avait juste le mode multi, je crois, skip. C'est un peu chaud quand même parce que il n'y a pas non plus le mode studio, je sais pas quoi. Et j'ai vu des screens du jeu sur Old Gen. Il est monstrueusement moche. Ça, franchement, c'est chaud. Limite, à mon avis, ils le font exprès tout simplement pour booster les ventes un petit peu, déjà qu'elles sont assez exceptionnelles, des nouvelles consoles. Et puis, de toute façon, faut se rendre à l'évidence, hein, les jeux sur PlayStation 3 et Xbox 360, c'est voué à la disparition, à mon avis. Ce n'est que mon opinion. Mais voilà, en tout cas sur PlayStation 4, franchement il est plutôt joli. En tout cas, je vais vite muter ces gens, parce que j'ai pas trop envie de les entendre, voilà. Hop, puis on marchera sur les murs après, vous inquiétez pas, on sera un petit kiff. On va aller marcher sur les murs. Donc avant que j'ai des demandes de où je l'ai acheté, bah franchement chez Carrefour, hein, je pense qu'il y en a les trois quarts des gens qui doivent savoir que chez Carrefour, donc ils le lâchaient déjà à 20h. Mais 20h, 20h, hein, ils déconnaient pas les gars, hein, on y allait dans l'après-midi, non, ils voulaient pas et tout. Le mec avec ses zèles de ouf. Voilà, donc c'était 20h, 20h, mais on l'a payé à 50,50€, donc franchement plutôt cool, un jeu de PlayStation 4 à ce prix-là, ça fait plaisir. Puis voilà, que dire, il n'y avait personne en tout cas à Carrefour, il n'y avait absolument personne, 2-3 pélos qui se courent après donc pour choper le jeu, mais... Apparemment à Bourg c'était un peu le bordel, en même temps il n'y a qu'un seul Carrefour alors que voilà à Lyon il y en a plusieurs. Mais on est un petit peu 1 million quand même au bout d'un moment. Hop, voilà super, donc je crois qu'il y a un requin là-dedans si j'ai bien compris. Donc Ok, nickel. Allez c'est parti. Donc j'ai pas eu encore de score streak, si j'ai eu qu'un drone super cool, waouh le drone, grosse ambiance. Niveau 2, easy ma gueule. Donc on va essayer de faire ça. Ah ouais quand même. Ah ouais, d'accord, assistance cool, super, merci. Ok, je me disais, est-ce que c'est un copain ou est-ce que c'est pas un copain? Bah c'était pas un copain, voilà. J'ai eu ma réponse. Alors on va essayer de se faire un petit kill à l'arc, quand même. Ça peut être sympa. Puis je joue absolument pas l'objectif, hein, j'en ai strictement rien à branler. Le mec y en a rien à foutre de la victoire, qui veut juste ses kills. Ah ouais d'accord. Ouais en fait faut les recharger et tout quoi. Ok, je voulais venir t'aider à prendre Bravo mais t'en as rien à foutre en fait de ce que je fais moi. Ah dommage, ah c'est sympa en fait. C'est chaud.
Mais en fait, donc plus je crois, plus vous gardez, vous tirez votre corde, plus ce sera explosif, un truc comme ça. C'est quand même c'est sympa, ça amène à un nouveau truc un peu. Ça change. Ok, heureusement que je me suis pas fait péter par la grenade, parce que j'aurais pété un câble là. Oh, le joli lancer de grenade quand même. Oh super, j'ai fait une grosse merde là. J'ai juste à m'allonger et non, pff, même pas, j'ai pas bougé. J'ai même pas essayé de tirer, n'importe quoi. En tout cas, joli lancer de grenade. J'ai pu le péter comme un zouave. Oh, la Kuda, elle a un recul assez monstre. On se barre à Kuda. C'est obligé que des gens la fassent la blague, de toute façon. Ça, cette arme est vouée à prendre des blagues. Ok, super. Donc, je suis deuxième de la game avec la game médiocre que je fais. Donc, bon. On va dire que c'est mon niveau qui est absolument énorme. La première game ça se passe toujours entre guillemets à peu près bien, puis après tout de suite ça se gâte un petit peu parce que les gens prennent du niveau et vous jouez pas, enfin vous je parlais de moi en particulier, et moi je joue pas donc j'évolue pas et du coup voilà, on prend cher après par derrière, enfin par derrière entre guillemets hein, voilà, faut arrêter. Ok, il y a déjà des gens au snipe, c'est trop des chauds et tout, j'ai remarqué. C'était mon ombre, voilà les mecs super intelligents. Je sais pas si ça se repère sur le radar comme dans AW, le fait qu'on utilise notre exo ou pas. Je sais pas du tout. J'ai pas eu encore l'occasion de vérifier. J'adore les glissades, elles sont vraiment stylées. Bizarrement, par contre, bizarrement l'animation, elle est un peu saccadée parce qu'après ça s'arrête d'un coup, c'est assez chelou. Comme si il y avait plein de chewing-gum par terre et du coup on était freiné. Voilà, le mec a des très bons exemples. Et en fait, je compte faire une vidéo sans coupure, sans montage et tout, c'est pour ça que je blablate comme un porc. Et forcément, de toute façon, quand vous venez d'avoir un jeu, vous êtes plutôt content d'y jouer, donc vous avez des choses à dire. Et puis, voilà, concernant l'appareil Games Week, je vais revenir vite fait dessus. Quitte à faire la vidéo, autant en parler. Ok, super. Je suis mort comme une merde. L'appareil Games Week, c'était tout simplement la meilleure de toutes que j'ai faites. C'était exceptionnel, vous pouvez demander à Quentin, Cyril, c'était énormissime vraiment. Hop, et je le redis encore une fois, c'est grâce à vous qui me soutenez, qui vous êtes abonné à ma chaîne et tout ça, c'est grâce à vous que j'ai pu aller tester tout ça et tout. Et franchement, merci à vous, c'est énorme. Bon certes, c'est moi qui fais le travail, c'est moi qui fais mes vidéos, mais c'est vous qui me soutenez, c'est vous qui... Faites vivre la chaîne quand même, parce qu'une chaîne sans abonnés, bah c'est plus une chaîne, enfin voilà, il n'y a plus d'intérêt. Et voilà, donc grâce à vous, et ben on a pu aller à cette Paris Games Week. Et je vais revenir sur le fait des abonnés qui me voient à la Paris Games Week mais qui osent pas venir me voir. Et là, je vais me faire voler un kit bêtement, tout simplement parce que j'avais plus qu'une balle dans le chargeur. Voilà, super. Je vais revenir sur le fait que vous me croisez à la Paris Games Week. Vous osez même pas me voir les gars, vous êtes des fous. Franchement, si vous venez me voir, mais je serai encore plus refait que vous rendez même pas compte. Et là, ils me disent, ils chient dessus et tout. Franchement, c'est stylé, ça me fait plaisir. Ça veut dire que voilà, pour vous, je suis un grand youtubeur, tout ça. Mais franchement, je crois que je serai encore plus refait que vous. N'hésitez pas à venir l'année prochaine, on se fait des rencontres et tout. On va se boire un café, on va se manger une crêpe et tout, à la bien. Franchement, ça peut être sa mère. Et j'ai ma femme qui se fout de ma gueule dans la chambre là. Tu te fous de ma gueule? Si, tu te fous de ma gueule. Ça fait quoi de m'entendre parler tout seul au micro là? T'as l'habitude? Regardez, c'est qui le premier? Bah évidemment c'est moi. Voilà, c'est moi le premier. Parce que, eh ben, j'annonce la couleur, genre j'arrive sur code, attention les gars, easy ma gueule. Bon, je suis pas premier de la game, mais je suis premier de la partie. C'est déjà pas mal, en plus je suis une meuf. Tout stylé, on est tous des meufs, on a tous pris le même spécialiste. Niveau 2, même pas niveau 3, donc j'ai l'impression que les niveaux sont, en termes d'XP, un petit peu plus exigeants, on va dire, par rapport à avant. C'est peut-être juste une impression, j'ai peut-être juste fait une game pourrie, hein, j'ai pas vraiment joué l'objectif et tout, mais j'ai l'impression que les niveaux, en termes d'XP, sont un petit peu plus longs que dans les autres codes, entre guillemets. Hein. Hop, je vais juste regarder à combien j'en suis. J'en suis à un quart d'heure de vidéo, bah écoutez... On va se faire une deuxième partie.
Comme ça, on aura fait deux maps différentes. Et puis ça peut être sympa. Donc voilà le rapport de bataille. Alors assez similaire à d'habitude. Donc là, le score par minute. Le ratio 1,60. Voilà, c'est cool. On va essayer de tenir un ratio à peu près de ce niveau-là. 24 éliminations. La victoire. Donc première victoire sur une partie. C'est plutôt cool. Hop, les médailles. Le classement. Vous pouvez voir votre pire ennemi, si j'ai bien compris. Nemesis, là. Tué 5 fois. J'ai été tué 4 fois par lui. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, tac, on va tous les mettre muets là parce que. Non, c'est pas envie. Genre muet, voilà. Alors, création de classe. On va peut-être changer de niveau de mode aussi. Voilà, putain, j'arrivais pas à quitter. Alors, changement de classe, donc j'ai bien aimé la Kuda, la Ken était pas trop mal, hop, moi je suis pas du tout fusil mitrailleur, donc on va voir ce qu'on peut faire. VMP ça a l'air chelou. Un fusil de précision, allez on va l'acheter, on va essayer ça. On va le débloquer, voilà, j'ai envie d'essayer tout simplement, parce qu'il faut essayer, hein. Au niveau des atouts, alors au niveau des atouts, j'ai pas du tout essayé. Donc attendez, la Kuda niveau 3, donc je peux avoir le réflexe, on va se le mettre. Hop. La poignée ergonomique qui fait gagner pas mal de précision, on va se la mettre aussi parce que la Kuda en termes de précision j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Post-combustion, propulseur se recharge plus vite, ok ça me va. Parce que j'ai pas envie d'acheter, j'ai plus de jetons de toute façon, donc main leste, changement d'arme et visée plus rapide après avoir sprinté, ça j'aime bien aussi. Et fonceur. Donc toujours le même principe, hein, comme vous pouvez voir on peut avoir deux atouts, donc avec des jokers encore une fois. Les mortels, donc paralysantes, les grenades frag, pardon. Je m'en fous d'avoir deux paralysantes, moi j'en ai un peu rien à foutre, hein. Techniquement. Mais bon, bah je vais la mettre parce que de toute façon il me reste une gâche. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. En termes des mortels, donc on a encore une fois Semtex, on a une mine, donc toujours un peu le même délire, hein. Une mine, histoire de dire une clé morte comme ça. Je vais vous faire une vidéo sur le zombie. Je suis obligé, je vais vous en faire une. Les séries de points. Donc un drone. Ouais, Hellstorm. Et le rapace. Donc ils sont quand même plutôt exigeants, je trouve. Plutôt exigeants en termes de score. Le drone est à 500 quand même. Alors qu'avant c'était 400 et quelques. Le Hellstorm est à 800. Mais en tout cas, ce truc de score streak, ça j'aime bien. Ça, je trouve ça cool parce que tout simplement, bah, au moins ça fait jouer un peu l'objectif, on va dire. Sauf que je n'ai pas fait du tout à l'heure. Dernier rempart, c'est quoi les équipes escort avec le robot. Donc on m'attend en territoire ennemi. Encore la liaison, ça c'est sympa. Ouais, bah. Il y a moins de modes qu'avant, j'ai l'impression. Bah, le hardcore, ouais, bof, ça j'aime pas trop. Et le bonus, pas bah, jeu d'armes, garde terrestre, tout ça. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu tous les niveaux pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Et on va se faire capture le point stratégique. Nanana. On va se faire un point stratégique, hein, je crois. Orf. Ah sympa, on peut voir le pourcentage des joueurs en ligne, donc ils sont tous en MME en fait, les gens c'est des fifous. La domination quand même pas mal. Bon voilà, on va lancer un dernier rempart, donc en fait c'est les équipes qui doivent escorter, si vous savez lire, chacune leur robot, donc non combattant apparemment, dans le territoire ennemi. Donc on doit le livrer pour gagner, bah c'est parti, on va essayer, hein. De toute façon c'est des nouveaux modes, donc on est là pour ça. Encore une fois, cette histoire de LOL là. Pas mal d'épervier, hein. Pas mal d'épervier. C'est cool de pouvoir jouer en ligne. Je croyais que les serveurs allaient être fermés, qu'ils allaient faire les bâtards, les ouvrir au dernier moment. Alors qu'avant, ils les ouvraient au moins une semaine avant. Mais non, c'est bon. Ils les ont ouverts, tant mieux, parce que bon, ça fait un peu chier quand même. En tout cas, je suis choqué qu'il y en ait qui arrivent à être déjà niveau 40 et tout, quoi. C'est des fadas, les mecs, c'est des fadas. Hop, on va se prendre notre petite coup d'œil avec le réflexe et la poignée ergo. Voilà, c'est parti. Et puis bah, on va tester cette nouvelle map. Encore une fois, j'ai pas testé. Donc là, défendre, je suppose que ça va être le robot qui va arriver là. Et on doit attaquer donc le robot ennemi. Franchement, ça peut être sympa ce mode de jeu. Va falloir voir ce que ça donne, mais. Ok, très bien.
Écoute, il est mort. Donc j'allais pouvoir toujours essayer de le... Ah, il était encore en haut, super. En fait, il y en avait un en bas en haut, je croyais qu'il avait du coup été descendu, je pouvais monter sereinement. Absolument pas. Ah, c'est pas mal cette map, elle a... Comment dire? Il y a... Leur stratégie Il y agit. a autant de... Comment dire? Merde. Il y a de la hauteur, on va dire, dans la map. On peut... Ah ouais, d'accord, faut vraiment l'attaquer, techniquement, genre attaquer, quoi. On peut tirer dessus, tout ça... Faut vraiment le tuer en fait le truc. Ok, très bien. C'est vrai qu'on peut marcher sur les murs maintenant. Ok, mais du coup je me focalise sur le robot, je regarde même pas ce que je fais du coup. Voilà. La coudage, je l'aime bien. Elle est un petit peu plus précise là avec la poignée. Et j'aime bien. C'est pas trop mal. Il y avait une arme que j'avais testée à la PGW que je la prenais tout le temps. Je sais plus comment elle s'appelle. Je perds des duels vraiment pourris là. Franchement, honte à moi. Pour l'instant, on gagne 1-0. Donc on a détruit un robot, ça veut dire. Enfin, vous avez vu, je suis fort. Hein. Je suis perspicace et tout. Non, bah oui, merci. Le mec absolument égoïste. Genre moi je passe, pas vous. Hop. Petite glissade à l'ancienne. J'aime pas trop cet endroit, voilà. Moi ça me... C'est l'endroit où tout à l'heure j'ai vu la baston. Je crois que je vais pas l'aimer cet endroit. En tout cas c'est vraiment beau. Il y a des belles couleurs. Les effets du soleil et tout sont vraiment bien faits. Et j'ai envie... Limite j'ai envie de... Pas de l'acheter sur PS3, mais j'ai envie de voir ce que ça donne sur PS3. J'ai envie de voir la dégueulassance, je sais pas trop si ça se dit, mais le jeu dégueulasse qu'ils nous ont sorti là. Parce que je sais pas si vous avez vu, je vais essayer de vous choper ça et de vous le foutre sur la vidéo. Je sais pas si vous avez vu l'état quand même du jeu, mais oh, il y a des screens. Franchement, ils font peur. Franchement, on se dit merde. C'est chaud quand même à ce point-là. Ça c'est vraiment sympa, en plus ça consomme pas de trucs là, je sais pas comment dire, ça consomme pas de... Ok, redémarrage cool. C'est-à-dire qu'on gagne 2-0 alors si... Ça consomme pas de votre exo en fait, comme je disais tout à l'heure. Du coup ça c'est bien. Ça permet de quand même... Ouf. J'ai eu peur de garder... Bah je sais pas comment dire, si vous marchez sur les murs, bah vous ne tombez pas comme un con parce que vous avez plus de recharge d'exo en fait. Donc tant mieux parce que quand même ça aurait été un peu con. En fait je crois que mon arc je vais le garder. Ok super. Je vais garder mon arc pour tout simplement quand... Mais en fait ils s'en battent les couilles de leur robot les gars en fait je crois bien. Ah ouais non quand même ils le défendent un petit peu parce que sinon... En fait, je crois que c'est nous les noobs, non? Wouah, j'ai rien compris, c'est quoi son délire à lui là? Oh, il m'a tué d'une manière trop chelou, lui. Le monde nous regarde, ah oui, carrément. Ouais. Du coup, je sais même plus ce que je disais, je parle de plein de choses en même temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit truc. Là, c'est pour la sortie d'un jeu et tout, là. Ça fait toujours un peu ça, les codes, vous êtes content de le recevoir et tout. C'est le nouveau code, franchement, c'est... Ça fait toujours plaisir, un nouveau code. Même si vous n'êtes pas fan, ça fait toujours plaisir, un nouveau code. Ah! Ok, donc, il y en a, en fait, ouais, il meurt, mais le but, c'est vraiment de sauver son robot à fond, quoi. Parce qu'il y en a, ils font vraiment des scores pourris, mais c'est vraiment pas du tout le but de faire des kills. Ok, ça j'aime bien. Ok, super. Ah ouais, donc vraiment, faut se mettre à côté pour l'escorter. Ok, c'est cool. Parce que du coup, là, j'ai encore une fois pas du tout joué objectif.
Mais faut se mettre à côté pour l'escorter, donc vous mettez sur le côté, je crois, juste ouais, comme si vous le prenez dans vos bras, c'est votre copain, c'est votre amoureux. Et ouais, vous l'escortez et tout, et en termes de minutes, enfin de secondes plutôt d'escorte, ben, c'est là que vous gagnez du score en fait, tout simplement. C'est pour ça que nous, dans notre équipe, il n'y en a qu'un seul qui joue l'objectif, le mec il a porté 47 secondes. Et c'est déjà fini, on a gagné la game là. Il n'y a même pas une mi-temps ou quoi, dommage. Bon bah voilà pour cette vidéo découverte du multi, hein. Ça aura pas été un truc de fifou non plus. J'ai pas fait des scores de barre, il n'y a pas eu du grand grand gameplay. Mais voilà, en tout cas c'était une belle découverte, je suis content, les maps sont plutôt jolies, le jeu est plutôt prometteur. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, faites-vous un kiff, faites-moi plaisir, allez-y. Ça me fera autant plaisir qu'à vous-même. Je sais plus ce que je dis parce qu'il est arrivé 23h. Je vous fais des bisous sur la face droite, à bientôt. Salut, à la prochaine, ciao!